Et bien salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour ces aventures sur Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle. Et normalement on avait débloqué une nouvelle zone, parce qu'on avait débloqué un nouveau truc. Mais pourquoi est-ce que le jeu me demande de venir ici? Le jeu? Maintenant je peux pousser ça. Yeah! Waouh! Une illustration! Truc de ouf! Bon, question. S'il m'envoie ici. Ah, pas. Je n'ai pas encore appris ça. Ça a l'air bloqué, mais j'avais. Attendez, on va faire un petit tour vite fait. J'ai vu quelque chose en bas en plus là-bas. Pas moyen d'aller en bas. Ah ah. Yeah. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un son du jeu. Wouhou. Mais donnez-moi des armes que je puisse me défendre. Je crois pas devoir faire tout le tour. Ah, voilà. Désert sorbet. Là-bas. Quick! Quick! Alors, qu'est-ce qui va nous attendre dans ce fameux dessert? Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit dessert. Ah, pourquoi il y a ça? Je peux pas forer. Donc je pourrais pas accéder à ce machin. De toute façon, je ne peux rien faire parce que je ne peux même pas bouger cette case. Pourquoi est-ce que je m'ennuie, hein? Hein? Pourquoi? Ok. Bizarre. Pourquoi est-ce que je dois passer? J'ai un pour passer. Oh bah. Allez, hein. On va prendre le canon et on va voir ce qui nous attend. Hein. Pom 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 pom. Boom, 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 ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Fantastique, cette région désertique autrefois prospère et maintenant partiellement gelée. Votre présence dans ce monde est aussi bienvenue qu'un putois sur une piste de bowling. Rebonjour! Vous avez vu Todd? On a été séparés. Encore? Puh! Il se trouve ça drôle. Il dit qu'il faut jeter la carte et se laisser guider par son cœur. S'il vous plaît, vous pouvez le retrouver, je commence à m'inquiéter. Je reste ici au cas où il reviendrait. Bien sûr, pas de problème. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette énorme zone? Ici. Il y en a qui s'amusent. Je sais pas le faire. Donc on va aller par là-bas. Ah, il y a une petite pièce ici. Je suis preneur. Ah, baston. Voyons voir ça. Alors on a combien? 1, 2, 3, 4. Ah, on a des cactus. Non. Je vais d'abord voir leur portée. Ah ouais, ça va. Je pourrais prendre sur la droite parce que là je vois qu'on a pas mal de trucs pour se planquer alors qu'ici on a quasiment rien malheureusement. On va pouvoir le flanquer. Ah, je peux pas me planquer ici malheureusement. Ouf! C'est une sacrée portée ce machin. Bon allez, allons dans la bataille. Cinquante pour cent.
Bon, c'est pas grave, toujours mieux de flanquer de toute façon. Là. Déjà, on va activer ça. Allez, on prie. Oh, touché. Excellent. Si je flanque ici, que j'utilise Mario. Ah, dommage. Il y avait de l'idée, mais c'est pas ça. On va juste aller se mettre là, du coup. Et espérer qu'on va pas se faire toucher. Let's go. Ouais, bien sûr, ça n'a pas touché. Eh ben, sûr que moi, avec ma chance, hein. Par contre, l'IA, je suis sûr, de la chance, elle va en avoir plein. Je sens venir comme un camion. Je dois vraiment garder mes trucs pour moi. Hmm, 27 PV, c'est pas mal. Ah non! Bah oui, bien sûr. Moi, vous me touchez, hein. À la base. Hein? Et je pense que ça commence à devenir un petit peu plus dur. Je sais pas pour vous. Lui, il a un bouclier, donc je peux rien y faire, quoi. Hein? Ils peuvent le détruire maintenant? Ah! Ouais, je peux pas bouger. C'est con, hein. Mais du coup, comment. Comment je vais faire pour ça? Bon, déjà, lui, je vais lui dire bonjour. Ah, mais d'accord, ils ont des aptitudes maintenant! D'accord, c'est pour ça que je prenais si cher. Bon, retraite! Pas sûr que je lui fasse des dégâts, hein. On peut essayer, on verra bien. Bon, au moins il a pris un rebond, c'est pas mal. Bon, on verra bien. Ouais, ah, ben oui, hein, 50%, ils arrivent à me toucher comme des fous, quoi. Ah, c'est un truc de ouf, quand même, hein. Ah, ça devient vachement plus dur, d'un coup, hein. Non. Si je me mets ici, 100% de chance, 100% de chance. On a un problème quand même, c'est deux gros là. Ils ont pas mal de PV, hein. Ils ont pas mal de PV, hein. Je sais pas comment on va faire. Ah bon, bah, du coup, flanquer pour flanquer, hein. Attends, t'es visible. T'es visible comme un cul, là. T'es en train de me dire que je peux pas te toucher. Oh, je suis une déception, hein. Ça le touche. Ça peut le toucher. On tente. Oh. 50 de dégâts. Moi, je dis pas non. Yeah. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est touchable. Est-ce que je peux soigner? Ah, ils sont pas dans ma range. Allez, touche! Please! Oui! Ouais, bien sûr.
Ouais, bien sûr, hein. Mais c'est Luigi sur qui on s'acharne, hein. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. T'es du soin. Bon, déjà, voyons voir si son bouclier va céder une fois que j'aurai... Oh, mais c'est une blague. Son bouclier a cédé, excellent. C'est l'heure du marteau pilon! Il en reste plus qu'un. Luigi, sois un mec cool et rends-toi utile. Voilà. Oh, j'ai une belle vision dessus en plus. Déjà, on va activer ça. On va lui tirer dessus. Dès qu'il va bouger, il va le payer cher. Ah, oh, j'aurais dû activer le bouton dégâts d'abord. Idiot. Ouais, bien sûr, il fallait que t'actives ton bouclier à ce moment-là, quoi. Et allez, 50% de chance, eux, ils touchent toujours. Hein. Là, ça m'énerve, sérieux. Je me mets ici, j'ai 100% de chance. Ok, cool. Allez, mange. C'est quoi, je vais même activer mon regard héroïque. Ça devient un peu plus long quand même, hein, pour essayer de les tuer. Voilà. Oui. Salut. Alors, est-ce que je peux faire... Bon, on sait jamais, hein, dans le doute, hein. Est-ce que je peux faire venir Luigi dans une position où est-ce que j'ai un 100% de toucher? 50... Non. Bon, donc on va prier Sainte Mère de Dieu, hein. Et allez, comme par hasard. Bon, c'est pas grave. T'es mort! Quoi? 3 PV! 3 PV! Tu m'ennuies pour 3 PV! Ah bah dis donc, c'est vachement plus dur, hein! Il va falloir envisager le mode facile, là! Oh, allez, un tour de trop, quoi! Oh, je suis une déception! Pourquoi j'ai... Attendez, on enchaîne déjà sur notre baston! Je suis pas d'accord, là! Je suis pas d'accord du tout, là! Un nouveau marteau, c'est bien mignon, mais... Ouh! Encre... Ouais, vas-y, on va monter Luigi. Pas trop le choix, c'est un peu mon DPS. Question du coup, je me pose une petite question. C'était quoi les aptitudes de l'autre Luigi? Super barrière. Comment ça, super barrière? J'ai des infos là. Deux tours. Réduction. Donne à lapin Luigi une immunité aux super effets, diminue les dégâts standard. Ah, bah c'est que sur lui. À ce moment-là. Ouais, on verra ça plus tard. Je pourrais peut-être tirer Mario. Progression sauvegardée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah! Alors, je ne garantis pas notre survie, honnêtement, là. Je ne garantis vraiment pas notre survie. Ce qui est sûr, c'est que je vais demander un pré-heal. Déjà, toi, bing. Et après... Si je monte là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y en a un deuxième.
Ah, il est en haut. Nous là, ça va devenir notre priorité. Bon, alors vous savez quoi, on va les tuer à l'ancienne. On va prendre de la hauteur, c'est plus important. C'est l'heure de duel. Voilà. Pas trop mal. Bon, du coup, on se retrouve avec Mario. Est-ce que je peux aller jusque-là, puis venir jusqu'ailleurs? Non, je peux pas. Dommage. Ah, j'aurais bien voulu essayer un truc, mais. Ah, mince. Attendez, non, il faut que je change de sens en fait. Il faut que je passe par là. Non, de l'autre côté! Voilà. Non ! Mince. Attends, du coup, il y a lui là-bas. Danger. Crac, je voulais lui mettre un coup de marteau dans la face juste après, mais bon. En mode, si quelqu'un bouge, il va prendre dans les fesses. Pff, allez, mais le jeu là. Faut arrêter quoi, 50% et il touche quoi. Et mince. Mais, oh là, mais. Oh là, j'ai vraiment pas pris la bonne position. Vous savez quoi le pire? C'est dès que je vais bouger, je suis mort. On parie combien? Je bouge, je suis mort. Voilà, qu'est-ce que je disais. Oh non. Ah ouais, ils ont tout changé là, hein, c'est un truc de ouf. Est-ce que je le touche d'ici? Ah, j'ai pas de vision. Est-ce que je peux le toucher avec ça? Ça touche. Bon allez, protection. Non, on va laisser là. Ça devient un petit peu problématique là. Bon, techniquement, si je me mets là, ils ont pas de vision. Ils peuvent pas avoir de vision ici. J'espère. Il nous reste combien à tuer là? Ça sert à rien, mais bon. C'est comme ça. Par contre, Mario, forte chance qu'il y passe. Hein. Mais c'est une blague là! 3 fois 50%, 3 fois il touche quoi! Allez, on parie combien que moi? Pour toucher, c'est dans le popotin. Oh, d'accord. Non, mais sérieusement quoi. C'est un truc de ouf quoi. Vous imaginez, 3 fois il a touché. 3 fois quoi. Je veux bien croire que c'est une chance sur deux, mais quand même, là c'est hardcore. Et où le dernier? Ah, il se planque. Oh, vous savez quoi? On va pas se faire chier, on va le laisser venir.
je pourrais faire ça aussi. Je vais planquer ici, on sait jamais comment il va réagir. J'espère qu'il va pas monter. Il bouge pas ? Ah, le salaud ! Attendez déjà. Vous savez quoi ? On va attendre un tour. Tant pis. Ah ouais, il attend, hein. Ah, il attend. Bon, bah tant pis, hein. Maintenant, pour avoir les bonus, ça sera mort. Parce que j'ai quand même... S'il lui faut un tour, je m'en fous, j'attends. Voilà. Allez. Donc, si tu fais ça... Voilà. Hors de portée, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Mario, on va essayer de le garder un maximum en vie. Alors, on va garder Mario en vie parce qu'il reste... Il reste 80 PV, le pauvre. Il va pas faire grand chose. Tu comptes bouger un jour? Ah non, il compte pas bouger, hein, il a pas envie. Hein. Du coup, comment on monte? C'est quel tuyau qui amène jusqu'à lui? Excellent, en plus il est méga exposé. Et tu vas faire quoi, mon cochon d'Inde? Bon, bouclier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Luigi ici. Si jamais il décide de bouger, il est foutu. Je suis quasi sûr qu'il va essayer de bouger. Ah bah il y avait du miel. Ah là, ce run était naze. On a pris deux tours de... Oh, deux tours de plus, ça va quand même. Et en plus on a récupéré du soin, excellent. C'était vraiment pas terrible. Bon, au moins 200 pièces, c'est pas mal. Je vais pas cracher dessus. Il a grossi! Il y a sûrement un moyen de l'arrêter! Ahem! Deux pas en avant, un pas en arrière. Trouvez Spony, vous devrez vaincre les lapins crétins qui vous empoisonnent l'existence. Cependant, chacune de vos victoires les libère de Megabugs, tout là-haut. Soyez attentifs quand vous battez un adversaire et vous verrez que le Megabug regagne une partie de l'énergie perdue lors de la fusion avec l'ennemi. Indice, on le voit aux émanations spectrales qui s'élèvent dans le ciel quand vous infligez un chaos. Oui, je vois. Vaincre un lapin crétin le libère de l'influence du Megabug, ce qui renforce ce dernier. Ah, c'est très malin, je... Oh mince, mais c'est une catastrophe. Notre seul espoir est de trouver Spony et de l'empêcher de créer d'autres abominations qui ne feront qu'alimenter la tempête. Comme dirait Mario, let's go! Trouvons d'abord Todd et ensuite Spony. La thune, la thune. Et franchement, les pièces devraient être données par paquet de 5, pas par paquet de 1. Oh! Y'a quoi ici? Ah ouais. Non. Ah aussi, il faut que ça soit joué. Voilà, vas-y. Oh mon dieu, 5 orbes de puissance, excellent ça. Excellent. Bon, il y a un petit combat, on va s'arrêter là. Je suppose que pour le combat, elle est dehors. Ah non. Bizarre. Ça. Un nouveau modèle 3D. Waouh, truc de ouf. Pas de combat.
Tananananana. Rien du tout. Ok, on sait jamais qu'il y a un truc caché. Allez, un petit combat là. Ah non, on va avoir que des... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Non. C'est marrant, on glisse même pas dessus. On peut passer par là ou pas? On glisse même pas? Sérieux? Bon, voyons voir c'est quoi ça. C'est dommage que la caméra on ne sait pas là. On peut faire que gauche à droite et pas vers le haut ni vers le bas, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a gagné? Une nouvelle arme! Allez, dis-moi une nouvelle arme! Le bowl bourrin! Bon. Bah, on va utiliser. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est pas sur la droite. Ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, hein. Ah, c'est mignon, ils sont contents. Ah, attendez. Il y a deux chemins, mais il n'y en a qu'un seul. Parce que là, j'avais cru voir quelque chose, mais je suis pas sûr. Ah! Excellent. On a trouvé une discothèque. Une blague. C'est pas... J'ai cru quelque chose. Le mot bah, elle est sans du disco, il a le groove. Qu'est-ce que je disais? Allez, la caméra bouge, merci. Oh, on glisse même pas. Oh, je suis déception. Par contre, il y a des boules qui tombent. What? On est pas revenu à notre point de départ là. Ah, mais oui, la boule a tout détruit. Attendez, il y a forcément quelque chose. Qu'est-ce que je disais? Il y avait forcément quelque chose. Oh, un bleu! Ah, bah cool. Allez, donne-moi des pièces! Allez, allons voir ce qu'on va savoir faire. Ok, ça peut être bien difficile. Mais, ah. Voilà. Easy. Allez, une nouvelle arme. Ouais. Alors c'est pour qui? C'est pour qui? Oh. Celui que j'utilise quasi pas. Je suis déçu. Je suis déçu. Hein? Excusez-moi. Des sous-vêtements partout. À cause des lapins crétins, ce paysage autrefois majestueux ressemble désormais à une colocation étudiant. Pas tort. Pas tort. Ah, deuxième monde, ça y est. Bon, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter ici, devant ce deuxième monde, hein. Oh non!
Regardez ce qu'il y a droit devant. Oh mince quoi. Y a pas des gars contre les géants ou autre. Y'a rien. Allons voir Luigi s'il y a pas un nouveau sniper pour lui. Non, j'avais déjà acheté un sniper pour lui. Ouf. Un tour de récupération. Luigi, non, on va peut-être plutôt voir elle. Oh, j'ai vraiment du mal avec cette interface quand même. 65, non, je préfère booster Mario. Dégâts faibles sur les abris, parce qu'on avait un truc avec dégâts énormes sur les abris. Non, pas que je sache. Ah! Ah ben voilà, ça déjà. Chance contre les acolytes. Bah, c'est toujours mieux que rien. Bon! Allez les petits loulous, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir là. Dude, comme d'habitude, je repos cul. Ou que sa chanson, que sa lyrique, ou que sa dicton, je vous laisse. Je vous fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du pubert soit avec vous. Peace.